Hello les addicts, je vous retrouve enfin pour une vidéo sur je suis en train de tout refaire ma bibliothèque. Alors comment vous dire, donc du coup on en était où? Je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer pourquoi j'avais déménagé tout ça, mais je vais mettre mon téléphone sur silencieux, ce sera plus simple. Voilà, du coup je vous disais que j'avais déménagé pour des raisons tout à fait logique, et du coup là je déménageais dans un autre appartement avant de pouvoir emménager dans ma maison qui a pris beaucoup de retard parce que du coup je suis en train de construire. Voilà, je vous donne plein de détails dans la vidéo que vous aurez juste avant celle-ci, mais là aujourd'hui je vous retrouve vraiment pour refaire toute ma bibliothèque avec vous, sachant que cette fois-ci, vu que l'appart est plus grand, je peux remettre ma grosse bibliothèque que j'avais dans ma maison, donc vous avez vu il y a déjà quelques années sur Booksta. Avec tout ça, j'ai même pas eu le temps d'aller chez le coiffeur. C'est une catastrophe. Ma frange me va dans les yeux. J'ai clairement pas le courage, la détermination pour couper tout ça et me dire je vais la faire de travers. Bref, on s'en fout. Donc du coup je vous retrouve pour voir comment je vais la ranger. Alors clairement j'ai énormément de cartons, de livres. Je vous ai même pas pris un... Merde, je vous ai même pas pris une vue sur tous les cartons qu'il y avait. Je les ai même pas comptés. Mais il y en a une trentaine. Clairement j'ai une trentaine de cartons de deux tailles différentes. Des gros, des plus petits. C'est du grand n'importe quoi. J'adore mes bibliothèques sauf quand je déménage. Sauf que là, ça doit faire déjà deux ou trois déménagements que je me tape avec tous mes bouquins. Je peux vous dire que... Voilà, bon, ce déménagement-là, c'est bien parce que du coup, c'est pas moi qui ai porté. C'est les déménageurs. Donc du coup, j'étais bien contente de leur laisser mes cartons de livres parce que là... Voilà. Je me suis assez pété le dos parce que, entre-temps, comment vous dire, petite story time, j'ai mon homme qui a fait une appendicite. Et du coup, ben, toute la fin du déménagement, bon, tout ce qui était meubles et tout, c'est les déménageurs qui ont fait. Mais tout ce qui restait encore à prendre, que les déménageurs n'ont pas fait, ben, j'ai dû le faire pratiquement toute seule. Donc ça a été un petit peu éprouvant cette semaine, autant psychologiquement que physiquement. Parce que bon, voilà, sur le coup, quand on ne sait pas ce que c'est et qu'on voit son homme souffrir, clairement, c'est juste horrible. Enfin, voilà... C'était des mauvais moments à passer. Voilà, maintenant ça va mieux, donc voilà. Ça s'explique peut-être ma tête crevée. mais voilà, donc maintenant on espère que ce sera que du mieux. On va croiser les doigts pour passer au moins un bon hiver, ça peut être cool. Et puis après on verra si la maison ça avance. Parce que ça, c'est pas encore gagné. Comme je vous l'avais expliqué, donc bref. Je vais vous retrouver pour ranger tout ça, sachant que je sais pas du tout comment m'y prendre.
que mes cartons, je les ai organisés pour me retrouver, puisque j'ai fait des cartons avec juste ma palle, des cartons avec des livres que j'ai lus, mais que je garde et tout. Là, je pense qu'en déballant tout, parce que je vais vraiment essayer de tout déballer et tout mettre dans les bibliothèques, je pense que j'ai de l'espoir. Et ben, je vais quand même refaire du tri et me dire ça, tu vas le lire, tu vas pas le lire, tu le gardes pas, parce que y a besoin. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait du coup, parce que dans mon ancien appart, j'avais juste ma palle dans la bibliothèque, j'avais pas la place de mettre mes sagas chouchou, tout ça. Là, j'ai envie de les retrouver. Clairement, j'ai vraiment envie de les retrouver. Donc là, tout le début du rangement que vous avez pu voir, j'ai juste rangé les BD d'un côté dans la petite bibliothèque que j'ai derrière mon canapé. Et là, j'ai juste déballé pour l'instant une partie, parce que voilà, il en reste encore, une partie des livres de ma palle, sachant qu'il en reste, il restait 5 là, et tous les autres, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, et ben c'est des livres que j'ai lus, mais que je garde. Je sais pas si tout va rentrer. On va voir, sachant que je pense que même les cartons, je vais les garder pour le prochain déménagement qui, j'espère, sera le dernier. Voilà, vous savez tout, je crois. Donc, je vais boire mon chocolat chaud, parce que voilà, je viens de sortir choupinette dans le froid et pas forcément la pluie, mais la grisaille. Il faisait super beau hier, c'est dommage, parce qu'il y avait un soleil de ma boule, c'était magnifique dans la pièce, mais là aujourd'hui j'ai la pluie, la grisaille, donc c'est moins bien, mais et voilà, je vais me réchauffer un petit coup, et puis je suis repartie. Voilà, on y retourne. Je suis dans la mouise, comment vous dire, et en plus il fait pas le focus sur moi, si ça y est, parce que j'ai rangé toute ma palle, que j'ai bientôt plus de place et que j'ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartons de livres lus. Donc je pense que je vais faire, c'est que je vais les mettre par maison d'édition, parce que clairement c'est comme ça que j'aime les ranger. Et voir ce que je range et ce que je remets en carton. Je pense que je vais pas avoir le choix. Donc on est parti. Thank you.
5h30. Il me reste encore une tonne de trucs à ranger, mais j'ai fini mon tri. Donc là, tout ce que vous voyez derrière, en fait, c'est ce qui va finir sur Vinted. Parce que il est impératif que je fasse du tri, mais j'aurais jamais pensé un haul autant. Donc voilà. Je sais même pas si je vous fais une vidéo sur ça. Je sais que ça se fait, mais je vois pas trop l'intérêt en fait. Donc voilà, peut-être que je la ferai, peut-être que je la ferai pas. En attendant, c'est des livres qui vont retourner dans les cartons pour que je les mette sur Vinted. Parce que voilà, ça, je vais pas pouvoir le faire tout de suite. Mais il va falloir que je range tout le reste derrière. Je vous montrerai juste après. Qui sont des livres que j'aimerais bien remettre dans ma bibliothèque que j'ai lu. Mais que j'aimerais remettre. Genre les V. Schwab, les Philip Pullman, les Lace Bardugo. Bon, même s'il y en a encore quelques-uns que j'ai pas encore lus. Pas beaucoup. On a peut-être 2 ou 3. Tous les Victor Dixon, tous les Alexiane de Lys, enfin voilà, des auteurs que j'aime beaucoup et j'aimerais bien les remettre dans ma bibliothèque, même s'il y en a une partie que j'ai lu, voire presque tous. Voire tous. Donc tant pis, j'ai envie de les revoir en fait, j'ai vraiment envie de les revoir dans ma bibliothèque et qu'ils ne soient pas dans des cartons. Donc vu que j'ai un petit peu plus de place, je vais essayer de les caser. Pas sûr que j'y arrive, mais je vais essayer. Alors maintenant il me reste tout ça à arriver à ranger là-dedans. Ça risque d'être plus que compliqué. Non mais c'est tout hein. Je m'en amusais hein. Pas des bonnes choses. Non, certainement. Voilà ce que ça donne. Bon, j'ai pas encore fait la déco ni rien, hein. Mais j'essaie de rentrer un maximum de bouquins, sachant que là, c'est tout ce que je vais re-ranger ou vendre. Ou vous faire un concours à Noël, peut-être. Je ne sais pas trop encore. Et voilà, tout ça, c'est ce que je vais ranger. Et ça, c'est des cartons vides que je vais garder pour le futur déménagement, mais pas pour remettre des livres. Clairement, non, nous avons pas de possible. Donc ça, ce sera pour d'autres choses. Parce que c'est des cartons qui sont solides, mais maintenant, je prendrai que des cartons de à peu près cette taille-là. Parce que clairement, sinon, c'est juste pas possible. Là, j'ai plus de dos, donc je vais déjà bouger ça autre part, mettre les autres cartons à la place. Et j'arrête là pour aujourd'hui. J'adore. Franchement, je peux mettre à nouveau plein de choses. C'est trop trop bien. Bon, là, j'ai laissé la porte fermée. Parce que bon, derrière, je ne sais pas encore quoi mettre. Parce que le meuble que j'avais mis là, que vous avez dû voir au début de la vidéo, en fait, je l'ai enlevé pour le mettre autre part. Parce que dedans, j'avais besoin de mettre mon imprimante par-dessus. Du coup, je l'ai mis plutôt du côté de mon bureau. Donc, voilà. Bichette vous dit bonjour. Tu dis bonjour. Hein, tu dis bonjour.
Bref, du coup, je vais quand même vous expliquer un petit peu comment j'ai rangé tout ça. Donc là au-dessus, en fait, c'est les livres que j'aimerais lire assez rapidement, on va dire ça comme ça. Je suis dans la passeuse de mots. Le prochain que j'aimerais lire, c'est L'arpenteuse de rêves, parce que j'adore le titre. Et puis après, je les ai calés par maison d'édition. J'ai du mal de causer aujourd'hui, c'est une catastrophe. Donc du coup, j'ai commencé par tous les deux Saxus. Il y en a beaucoup. Il y a des paperbacks, il y a des hardbacks. J'en ai un peu des deux. Ça dépend en fait de la sortie. Donc voilà. Et puis ça dépend aussi si c'est de Saxus qu'ils me les envoient, parce qu'ils n'envoient que des paperbacks. Et puis moi en fait, quand vraiment je veux les hardbacks, ben je leur dis non, je veux pas. Et puis moi je me l'achète en hardback. Donc je fais comme ça depuis le début. Et ça me va très bien. Et après, j'ai mis tous les Bayard et Milan. Donc là, c'est tout le Grishaverse. Enfin, tous les Lace Bardugo, parce que j'ai mis la 9e maison quand même en continuité de Saxus, du coup. Et après, donc, tout le Grishaverse. Donc voilà. Après, j'ai fait comme dans mon ancienne bibliothèque. Ceux qui sont en avant sont des livres que je n'ai pas lus. Donc c'est ma palle. Et les livres qui sont un peu plus dans le fond, en fait, c'est tous les livres que j'ai déjà lus. Donc voilà, c'est comme ça que j'arrive à m'en sortir pour voir à peu près où j'en suis. Donc là, voilà, tous les Milan. Après, dessous, on a les Hachette. Voilà. Puis après, quand je mets par-dessus, c'est que j'ai pas forcément beaucoup de place. J'en ai mis aussi derrière. Mais j'essaie de faire pour en voir un maximum, en fait. Donc là, après, c'est les Pocket Jeunesse. J'ai mis que là. Et derrière. Vous entendez les clics-clics-clics de Yoshi derrière. Et donc là, il y a tous les Gallimard, pareil, il y en a aussi derrière. Je dois avoir la passe-miroir et tout derrière. Là, on a tous les collections R, Michel Lafon, parce que j'ai Dune qui est toujours emballée. Après, dessous, j'ai mis les Lumen et les Bragelonne que j'ai là. Là, c'est tout la Martinière Castelmore, avec toute la saga d'un palais d'épines et de roses. Tout récemment, c'est-à-dire hier ou avant-hier, j'ai enfin trouvé un palais de flammes et d'argent. Parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de mal à trouver les toutes dernières nouveautés. Dès que je les commande, en fait. Mais en plus, celui-là, voilà, vous savez ce qui se passe en ce moment avec MDS, du coup, où à chaque fois, les libraires sont obligés d'en commander 3 pour arriver à les avoir, parce que sinon, ils les envoient pas. C'est une histoire avec le Covid et tout, bordel. Enfin bref, c'est un peu la misère. Mais du coup, il a réussi quand même à me l'avoir. Après, j'ai mis les Flammarion avec les très belles éditions de Mina Lima. Voilà. Ça fait un moment que je ne vous ai pas fait de book haul. Et je ne suis pas sûre d'en faire un parce qu'il y a énormément de choses qui sont arrivées dans ma palle là en cette fin d'année. Et je crois que le dernier book haul date de genre septembre. Il faudrait que je regarde ce qui est rentré dans ma bibliothèque depuis, mais c'est juste énorme. Donc voilà. Donc tous les Flammarion Rajo, avec aussi du coup un des derniers arrivés, c'est Les Serres Perdues. D'ailleurs celui-là, il faudra que je le lise, il est tout fin. Ça m'a étonné d'ailleurs, parce que quand j'ai regardé le prix, quand j'ai vu le prix qu'il était sur Amazon, je me suis dit mais pourquoi? En fait, c'est genre tout petit, tout fin. Je sais même pas combien ça fait de pages. Ça fait 60 pages quoi. Donc je pense que ça, un soir, c'est possible que je me le lise tranquille. Hop, sachant que je crois que ça se lit quand même plus avant le deuxième tome du Prince Cruel, donc à voir. Après, j'ai mis tous les Alexiane Delis, qui est une de mes autrices françaises chouchou. Il y a juste son tout dernier que j'ai pas lu. Et une autre autrice française que j'adore, c'est Elise Green, donc avec les Steam Sellers. Je vous en ai déjà parlé beaucoup. Mais là, ça y est, j'ai fini le troisième tome, j'ai fini la saga. Il y a moyen que je vous fasse un focus là-dessus parce que j'adore. Au-dessus, j'ai mis Hideout, qui est le premier livre d'une de mes collègues de travail. Et franchement, il est trop trop bien. Je vous avais fait une chronique dessus et tout. Donc je vous laisse aller voir sur le blog si vous voulez en savoir plus. Dessous, j'ai mis quoi? Des auto-édités, il y a du Anne Carrière, il y a du Rebelle, il y a du Chat Noir. Non, Plume Blanche, pardon. Alunia, c'est Plume Blanche. Donc après, voilà, là, j'ai mis tous les Victor Dixon. Avec Orion qui s'est perdu un petit peu là, mais j'avais des Hugo, je pense que je dois voir celui-là.
Et puis, je les ai pas remis dans ma bibliothèque, ou alors je les ai mis derrière les Morgan Moncomble. Je sais pas ce que j'en ai fait. Ils sont peut-être derrière, je ne sais pas où je les ai mis. Donc voilà, tous les Victor Dixon, et là, tous les je vais y arriver, Nathan et Casterman. Voilà. Donc ça donne ça. J'adore ma bibliothèque. Oui, je suis assise par terre. Donc du coup, et j'ai toujours gardé mon petit chariot là. Je sais plus, ouais, on va dire ça, chariot pour mettre tous mes mangas. Alors là, je les ai vraiment rangés. Ouais, c'est un peu le bazar à côté. Hein. C'est des livres que je dois envoyer, c'est des livres... Ouais, d'ailleurs, j'ai plein de livres à envoyer là. Oula. Il va falloir que je fasse quelque chose là-dessus. Bref, j'ai pas encore trouvé comment ranger ça. Mais là, du coup, j'ai rangé tous mes mangas. Donc il y en a là, il y en a derrière, et il y a les comics aussi. Voilà, donc il y a tous les The Promised Neverland, les Mashle, Orange, les éditions collector de The Promised Neverland. Ça doit être quoi? Ah oui, c'est chez Pika, j'ai toujours pas lu celui-là, c'est du Clamp. Tous les Beyond the Clouds, Magus of the Library, l'Atelier des Sorciers, édition collector et tout. Puis derrière, je sais plus ce que j'ai mis. Et je vais essayer de vous le sortir. Mais je crois qu'il est coincé avec mon carton. Hop là. Voilà, donc... il y a des livres de poche. Il y a des romans Pika. Là-dessous, j'ai mis tous les Fruits Basket. Les Chobits, Alchimia et Divine. Mais il y en a plein que j'ai pas encore lu. Hein. Clairement qu'il faut que je lise, et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Je suis en train d'essayer de rattraper un petit peu tout mon retard en manga. Donc là, pour l'instant, je suis dans les Mashle, et après je pense que je vais continuer dans les Beyond the Clouds et Magus of the Library. Puis j'ai l'Atelier des Sorciers, j'ai 2 tomes de retard aussi, donc ce sera peut-être plutôt l'Atelier des Sorciers le prochain, je pense, à voir. Donc non, je suis trop contente, trop fière de comment ça rend. Trop contente de retrouver une grosse bibliothèque. Voilà, et puis là, j'ai pas mis les BD, et les BD, elles sont là. Bon, pour l'instant, il y a le sapin de Noël juste à côté. Mon homme m'a maudit parce qu'il me dit « Ouais, tu me laisses de la place pour les enceintes de la télé et tout. » Je dis « Bon, bah, j'en prends 2 demi-yeux. » Ben voilà, elles sont toutes remplies. Donc, il y a toutes mes BD de Elana, la quête des Willan, les mondes des Willan, la boîte à musique, Sorceline, et tous mes beaux livres en fait. Donc il y a les versions illustrées des Étoiles de Nocède, tous les contes. Voilà, donc là il y a les contes de Grimm, il y a les contes de Perrault, il y a les contes d'Andersen. Enfin voilà, il y en a quand même quelques-uns. Il y a Les Soupers des Merveilles, mes beaux livres de HP, Le Paris des Merveilles, mon livre de recettes. Enfin voilà, il y a des petites choses comme ça. J'ai dit que je mettais les beaux livres de ce côté-là. Mais bon, vous voyez, déjà plus de place. Donc, c'est super. Donc, voilà. Trop contente de comment ça rend. Et puis, je vais voir comment je peux encore customiser cet endroit. Avant de redéménager un jour, peut-être, dans ma maison. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu de voir comment j'avais rangé ma bibliothèque et tout. Faire un peu tout ça avec vous. Je sais que ça vous plaît. Donc, du coup, j'avais très envie de le faire. J'espère que ma prochaine bibliothèque... sera ouf, enfin comme je l'imagine, et si j'arrive à faire ce que j'imagine, ça va être ouf. Mais voilà, ça sera franchement pas tout de suite, parce que ça, ce sera dans la prochaine maison, et sachant que dans la prochaine maison, la bibliothèque, c'est pas ce qu'on va faire en premier, malheureusement. Donc je vais devoir réinstaller celle-là en attendant, et puis après ben faire mes plans, reprendre des mesures et embaucher mon homme pour qu'on arrive à faire ce que j'ai en tête. Je vais vraiment avoir une pièce bibliothèque. Je veux vraiment faire une pièce bibliothèque cosy en fait. Cosy, où on est bien, où... comment vous dire? En fait, pour moi, une pièce bibliothèque... Lui, il déteste ça, mais pour moi, c'est en fait une pièce où il y a énormément de choses. Mais toutes des choses que j'aime et qui me font du bien en fait. Donc à voir si j'arrive à faire ce que je veux. À voir si c'est possible. Donc voilà. J'ai tellement hâte. Vous pouvez pas imaginer. Très hâte. Sachant que là ça a encore pris du retard parce que on a eu la neige. Donc
les murs, on a quand même reçu nos murs. On a quand même reçu nos murs. Donc là, maintenant, on a les murs. Mais ils ne sont pas encore montés. Ça aurait dû être cette semaine. Ça n'a pas été cette semaine. On va espérer que ce soit la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est la semaine de Noël. Normalement, ils sont censés bosser, mais voilà. Ça commence à être usant. Très usant. Mais voilà, c'est une grande aventure. On le sait depuis le début que ça va être compliqué. Mais on ne pensait pas à ce point, quand même. Bref. Voilà, donc écoutez, je vais essayer de vous sortir cette vidéo assez, enfin, avant les fêtes. J'espère que j'y arriverai. On verra. Et sinon, bah, si c'est le cas, si j'arrive à vous la sortir avant, je vous souhaite de très très bonnes fêtes. Je vous retrouve avec un programme comme ça. J'ai plein d'idées, mais il faut que j'aie le temps de les faire. Donc voilà, et je vous dis donc bonnes fêtes. Profitez bien de votre famille, faites attention avec tout ce qui traîne en ce moment. Et voilà, donc je vous retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye, des gros bisous!